Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Handball pour le Nul dans cet immense gymnase de l'USDK Dunkerque Handball en compagnie de Samir Belhassen. Comment ça va Samir? Ça va bien, tranquille. Ah, ça va bien. Du coup, je vais te laisser te présenter, toi et puis ton parcours quoi. Écoute, Samir Belhassen, 26 ans, je suis gardien à l'USDK depuis 4 ans. J'ai commencé à Montpellier à l'âge de 12 ans, okay. J'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une pige à Massy en banlieue parisienne, en D1, j'ai été prêté et j'ai pu me faire remarquer et signer ici à Dunkerque, qui est un club assez historique et phare du handball français. Donc voilà, et je suis là. J'espère continuer l'aventure assez longtemps et je suis très bien ici. Ok, super. Du coup, là, on va passer à l'échauffement. Donc, Samir va m'accompagner pendant mon échauffement. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Du coup, je vais aller au goal, frérot. Vas-y, je vais te montrer comment on s'échauffe. Vas-y. Un peu classique. D'habitude, on prend un petit temps pour s'échauffer, pour courir avec les joueurs, histoire de se mettre en condition. Ouais. Moi, je vais te passer directement sur les bases, on va dire. Ouais. Donc, un petit échauffement. Après, moi, je suis un bon gardien de base, donc ça veut dire... T'es un bon gardien? Ouais, j'ai pas besoin de base, de trucs. Ah ouais. Fais-moi des frappes directes. Là, on va commencer par s'échauffer tranquille. Okay. Tu te mets au milieu des cages. Vas-y. Tu te mets en position, vu que t'es un bon gardien. Montre-moi ce que c'est un bon gardien. Déjà, tu vas me lever les mains, mon gars. Ouais, comme ça? Là, on va se mettre là. Faut que tu vois tes mains toujours. Faut toujours voir mes mains. Vas-y. Pas besoin de les tendre de ouf. Okay. Moi je vais t'envoyer le ballon tranquille en haut, droite, gauche. Vas-y. Tu vas le chercher, tu me le renvoies. Vas-y. Tranquille et on fera ça. Voilà. À une main si tu arrives. Si tu arrives pas, moi, tu connais une main, c'est facile. Après déplace-toi quand même, parce que là je suis gentil. mets-la bien là. Déplace-toi tranquille. Voilà. Oh là là, celle-là elle est belle hein. Elle est belle, tu les captes bien. Après c'est un échauffement hein. Après, on passera sur plus dur, là, c'est rien. Je suis proche de toi. T'inquiète, moi j'attends que le plus dur. On en fait 2-3 encore. Samir, là on va passer à ton geste préféré, celui que tu aimes bien utiliser, que tu utilises peut-être souvent. Ouais. Alors moi ça va être peut-être différent de ce que tu as vu auparavant. Moi je vais te parler d'un geste plutôt offensif. Ok. Plutôt qu'un geste dans les buts. Et pour la petite excuse, j'ai joué hier soir, donc pour te montrer un geste ça va être compliqué là, ouais. Je suis à là. Ouais. Mais moi ce que j'adore faire c'est la passe. La relance, okay. La façon un peu tu vois, d'un quarterback au foot américain. Ouais. Le but c'est qu'en fait, quand on récupère la balle ou qu'on fait un arrêt ou voilà que la balle elle traîne un peu autour de nous, c'est de la récupérer vite et on a nos ailiers qui partent. Généralement c'est les mecs les plus rapides de l'équipe, tu vois, qui partent en contre-attaque. Et moi ce que je kiffe c'est faire la passe, du coup c'est une passe de 30-40 mètres, tu vois. Okay. De 30-40 mètres pour un mec où il y a un ou deux défenseurs. Comme ce que tu vois en NFL ou au foot américain, tu vois, il y a des mecs qui défendent sur lui. Ouais. Et moi, je kiffe essayer de réussir ma passe et qu'il y ait but derrière en contre-attaque, tu vois. Du coup, je vais te mettre à contribution. Ouais. Tu vas jouer le rôle d'un ailier. Okay. Tu vas partir de là. Okay. Tu vas courir. Ouais. Vas-y. Par contre, faut courir, hein. Ouais, t'inquiète. Commence pas à marcher ou quoi. Non, mais cours, voilà. Ah, mais faut l'attraper. Ah ouais! Elle était parfaite! Eh ouais, mais faut l'attraper! Ouais! Bon. Du coup, je vais pas demander de courir comme moi. Non. Mais de trottiner un peu et moi, je te l'envoie. Ah, tu l'as fait, vas-y. Je te l'envoie en profondeur. Si t'arrives à dépasser le milieu de terrain, c'est déjà bien, hein! Vas-y. Vas-y. Oh, belle! Oh là là! Elle est belle! Elle est belle! Un peu basse, mais elle est belle, franchement. Elle est basse, mais elle est belle, elle est devant et tout. Ok. Tu vois? Toujours dans le... Et ouais, moi, je c'est ça, moi, je suis plus un passeur que... Tu vois ? Donc Samir, là, du coup, on va passer à ton joueur parfait. Par catégorie, les catégories que tu veux, et puis voilà. Pour un gardien de but, du coup. Pour un gardien de but parfait. Bah, pour moi, je pense qu'un gardien, déjà, faut beaucoup de mental, tu vois. Mmh. Parce que c'est un poste à part, mmh. Comme dans le foot, comme voilà. Et je pense que dans le mental, faut... Moi, je vais prendre exemple
pour le mental de Karim Benzema, tu vois. Ouais. Parce que c'est un sportif que j'aime bien, que j'admire. Et je trouve qu'il a, un mental hors pair et avec tout ce qui lui est tombé dessus, il a su se relever des épreuves, il est revenu en équipe de France et il a mis tout le monde d'accord, donc je vais choisir lui. Après, il faut savoir encaisser les coups, je pense, parce que on prend des sacrés chocs, tu vois. Bon, après, c'est l'habitude qui vient, mais pour ça, je prendrai la qualité de mon papa, qui est ancien boxeur et ancien sportif pro de très haut niveau, donc je prendrai sa qualité à lui. En termes de souplesse, je vais prendre la qualité de Niklas Landin. C'est le gardien du Danemark au handball. Ouais. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Après, comme je t'ai dit, la relance, tu vois. Bah, là, je vais prendre la qualité de passe de Tom Brady, tu vois. Ouais. Quarterback historique en NFL. Et voilà, après, en termes d'anticipation, parce qu'il faut une qualité d'anticipation, ouais, tu vois. Il faut avoir la vision de jeu, savoir où ça peut partir le ballon. Et sur ça, je vais prendre la qualité de Kylian Mbappé, je pense. Ouais. Comme il sait. Je sors un peu du handball, tu vois. Donc, bien sûr. Qui sait anticiper les espaces, qui sait, tu vois. Je le mettrai un peu chez un gardien de but, parce que tu as besoin de voir le jeu, où ça va prendre le shoot, où est-ce que la balle elle va finir. Où est-ce que le shoot va arriver? Donc, tu as besoin de connaître un peu et d'avoir cette vision de jeu. Donc, voilà, pour moi, ce serait tous ces personnages-là réunis dans un même joueur. Et je pense que ça ferait un très bon gardien. Je pense que ça tue ça. Ça tue ça. Bon, vous entendez hein, les mouettes, hein, on est bien à Dunkerque. Hein. Vous l'entendez. Hein. Donc, voilà, du coup, on va passer à la suite. Donc, on va passer au petit défi. Donc, Samir, là, je vais te poser une question. Ouais. Si tu te trompes, bah, du coup, tu auras un handicap. Ok, d'accord. Et la question, c'est à ces jours. Quel gardien a joué le plus de matchs en première division? Ah, du coup, tu me mets une colle, parce que j'avais une idée sur deux joueurs. J'aurais dit Vincent Gérard ou Michael Robin, qui jouent encore. Mais du coup, un gardien qui a joué le plus de matchs en D1 à l'heure actuelle, dans notre championnat, je réfléchis franchement. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Rémi Desbonnets, non, ça m'étonne. Ben non. Non, j'ai pas d'idée, vas-y, je donne ma langue au chat là. Du coup, la réponse c'est Cyril Dumoulin. Ah, mais il est plus en D1. Ah, bah moi c'était ça là. Ah oui, mais j'y ai pensé, mais il est plus en D1. Bah apparemment, c'est lui qui a joué le plus de matchs en D1. Ah oui, d'accord, mais. Ah oui, non, mais je pensais des gardiens dans le championnat actuel, c'est pour ça. Voilà, c'est parti, je vais forcément gagner du coup. Du coup, là, on va passer au défi. Donc, je t'explique le défi, c'est simple. Donc, entre chaque tir, on va faire un pierre-feuille-ciseau. Ou un chifoumi, je sais pas comment t'appelles ça. Okay. Et du coup, bah, si tu perds, j'aurai le droit de t'enlever une partie de ton corps, c'est-à-dire ta main droite, ta jambe gauche, bref, voilà. Okay. Et donc après, bah, on fera, c'est le premier, enfin c'est en 2 ou 3, en 3 tirs. Okay. Et bien sûr, bah, t'auras un handicap du coup. Ouais. Et toi, ton handicap, c'est que tu pourras tirer que main faible, mon ref. Mais tu sais que même avec ça, tu gagneras pas, frérot. Non, mais. Je préfère te le dire, même avec 100 mains. Si tu veux, lundi, je peux même sans main, tu marqueras pas, mon ref, c'est sûr. Bon, on verra ça bien. Et puis voilà, je pense que ça y est, il est temps d'y aller. Du coup, qui commence Ah, tu sais quoi, honneur à toi. Vas-y. Eh, le pénalty, c'est là ou c'est là? Non, c'est là, mon ref. T'es sûr, c'est pas là? Non, ça, c'est une zone, t'as pas le droit d'entrer. Tu fais les chifoumi ou... Ah oui, les chifoumi. Vas-y. Attends, si je gagne le chifoumi, j'ai quoi, moi? Eh, t'as rien. Ah, ok. Bah là, tu sauves ton. Ah oui, d'accord, ok. Shifumi, Shifumi. Allez, j'ai rien. Donc là, c'est encore pire. Parce qu'en plus, je sais ce que tu vas faire. Ah, je vais me mettre là. Attends. Ouais. Je siffle pour le donner le. Vas-y. Sinon, je suis pas prêt. Ouais, vas-y. Et à partir du moment où je vais siffler, je sais absolument ce que tu vas faire et je vais la chercher à deux mains. On parie ce que tu veux. À deux mains? À deux mains, je te la prends. Vas-y. Wow! Eh ouais, les footeurs, on est imprévisibles! Ah tu ouais, sais pas. J'avoue, je pensais que t'allais lober. Ah, t'as vu? Ah ouais, t'as je pensais que t'allais lober. Vas-y, du coup, c'est à moi de tirer. Ouais. Vas-y. 1-0. Vous l'avez vu celle-là? Elle est belle, hein? Quel arrêt! Eh, mais Dunkerque, ramenez-moi un contrat tout de suite, les gars! Ça y est! Mais je suis prêt là, je crois. Là, je suis prêt, hein. Juste pour les pénaltys, je rentre juste pour les pénaltys. Vas-y, mon ref. Il y a un pénalty, changement. J'arrête tranquille, paf. Vas-y. Bah, maintenant, je vais arrêter de rigoler.
Vas-y, vas-y. Oh ah, il est sérieux, le Samir. Ah, en plus, t'as bougé ton pied, il était pas valable, mon ref. Ah ouais? Eh ouais, mais c'est pas grave. Je suis fou. Ah non, non, il n'y a pas besoin. Là, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Bon, toujours 1-0 pour moi. Chiffre. T'as dit quoi? Ah, tu sais. Oui, chiffre, oui, tu sais. Ouais, excuse-moi. Attends, la mouette, la mouette, la mouette. La mouette, la mouette. Là, tu vas voir comme ça, mon ref. Attends, si tu veux, parce que main gauche, c'est trop dur pour moi. Ah, si tu veux, j'ai un nouvel handicap. Écoute, écoute. Si tu veux, j'ai un meilleur handicap. Je vais mourir. Moi, mais moi, j'ai une blessure. Vous l'avez entendu? Moi, j'ai une blessure. Moi, j'ai une blessure à l'épaule gauche. Moi, si tu veux, sans les mains. Moi, je gueule sans les mains. Moi, je gueule sans les mains, mais je suis pas un tireur. Moi, je suis pas un tireur. Je gueule sans les mains, si tu veux. Mais j'ai une blessure à l'épaule gauche. J'ai du mal à tirer. Si tu veux, je mets un bandeau sur les yeux et je tire sans regarder. Vas-y, mais t'as un bandeau là? Bah, je sais pas, on peut trouver un truc où je tire les yeux fermés. Vas-y, je fais une faveur à Samir, vous avez vu, hein. Je suis gentil, je suis quelqu'un de sympa. Vas-y, on le rejoue. Les yeux fermés. Ou alors je mets un masque sur les yeux si tu veux. Vas-y. Vas-y, vas-y. Donc là, tu pars sur ton deuxième tir. Hein. Vas-y, mon deuxième tir. Ah, ton deuxième tir, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Chut. Allez, tiens, voilà, chercher celle-là. Pile, les yeux. Tu l'as prise? Ouais, j'ai prise. Ah, bien, bien. Et ouais, vous voyez, c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est que peu importe les conditions, Nasrou est toujours là. Donc là, du coup, je vais passer à mon dernier tir. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que si je le mets, c'est fini. Ouais, il faut que tu le mettes, mon ref. Chifoumi. Ah. Ouais, c'est dingue, il perd jamais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Mais je perdrai pas le jeu non plus. Vas-y, vas-y, vas-y. Il perd jamais. Allez, c'est je vais quoi égaliser. Je suis fair play, ouais. Je suis confiant, je te laisse, fais comme tu veux, sans handicap, rien. Mais non. Mais non, ouais. Mais tu sais que je vais égaliser. Si t'égalises, tu reprends un handicap. Vas-y, 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 vas-y. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux. Bon, il va vite reprendre un handicap, le frérot. Allez, vas-y. Là, c'est du sérieux. T'as dit, j'ai égalisé, là. J'ai fou, mais... Allez. Délire. Tu fais jamais la pierre en fait. Hein? Tu fais jamais la pierre, t'es pas un mec de la pierre. Non. Ça y est, là, je sais que c'est fini. Handicap, ce que tu veux. Tu veux que je fasse quoi? Je vais mettre vas-y, mon masque. Vas-y, prends les yeux fermés. Les yeux fermés. Allez, victoire, elle est déjà dans la poche. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas possible. Attends, faut que je règle la mire. Ouais, c'est bon. Allez. Bien joué. Bravo. C'est bien. Après, t'as trop parlé, frérot. T'as trop. C'est bien, t'as des bases, hein. Mais t'as vraiment que des bases, mon ref. T'as vraiment que des bases. Pourtant, je les ai mises dans tes pieds pour que tu puisses peut-être, tu vois. Mais là, laisse tomber. Ouais. Reste dans le foot, mon ref. C'était ouais, bien. Grave. C'était bien. Reste dans le foot. Bon bah voilà, j'ai perdu encore une fois. Mais franchement, bon compétiteur, j'ai bien aimé. Tu m'as un peu repoussé dans mes tranchées, j'ai dû rester sur ma ligne, me concentrer. Franchement, bien, bien. Hey, tu connais bientôt, je signe là. Déjà, dans le cas, je sais pas pourquoi les contrats sont toujours pas là. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. Ouais. Donc du coup, voilà, on va passer à la fin. C'est la fin de la vidéo déjà. On était avec Samir Belhassen. Et puis voilà, j'ai perdu encore une fois. Hein. Mais non, mais c'était bien. Je vais revenir, de toute façon, revenir plus fort. Et je pense que... Hein. Là, je t'ai donné des bases. Tu t'entraînes encore une saison. Ouais. Et tu reviens, tu viens gauler. Une saison carrément, moi, une semaine, ça me suffit. Une semaine, je t'attends ici, tu viens gauler avec moi à Dunkerque. Et... Vas-y, y'a pas de galère. Voilà. C'est bien, franchement, bravo. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Handball pour le nul. Et laisse-moi remettre une transverse. Celle-là, elle est bien. Elle est bien. En vrai, celle-là, elle est bien. Ping. Pile. Ben, voilà. Ben. On part sur ça. Coupé.